Bonjour, mon nom est Jérôme Belzile. Je suis représentant en développement des marchés pour Bayer. Je couvre l'Est ontarien et le sud-ouest du Québec. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre herbicide pour le blé Infinity FX. C'est notre deuxième année que Infinity FX est disponible pour les céréaliculteurs de l'Est du Canada. Infinity FX apporte une suppression plus nette des mauvaises herbes dicotylédones coriaces, comme la stellaire moyenne, le pissenlit et le chardon des champs. De plus, il offre toujours le même contrôle exceptionnel contre la vergerette du Canada. L'année dernière, nous avons positionné Infinity FX dans le blé d'hiver pour une application de printemps. Mais sur la base des enseignements de l'année écoulée, nous sommes convaincus que nous pouvons mettre à jour notre positionnement pour permettre une application de Infinity FX à l'automne. Cependant, Infinity FX ne peut être appliqué qu'une seule fois par saison de récolte. Cela signifie que s'il est appliqué à l'automne, il ne peut pas être appliqué à nouveau au printemps. Ça nous donne donc quatre options d'utilisation si on intègre Infinity à notre programme de désherbage. Donc ici, le FX est très important. Alors, on peut y aller de Infinity à l'automne suivi d'Infinity au printemps. Infinity à l'automne suivi de Infinity FX au printemps est correct également. Infinity FX à l'automne suivi d'Infinity au printemps va fonctionner. Mais comme je l'ai mentionné, Infinity FX à l'automne suivi de Infinity FX au printemps n'est pas accepté. Mais notez que notre gamme d'herbicides pour le blé d'hiver comprend bien plus qu'Infinity FX. Comme je l'ai mentionné, on a Infinity et aussi on a Boctril M. Infinity est recommandé dans la plupart des situations de pression de mauvaises herbes. Lorsque les mauvaises herbes sont plus grandes ou que la pression est plus élevée, Infinity FX est à préconiser. Et dans le cas de Boctril M, il doit être utilisé lorsque le blé est ensemencé avec du trèfle rouge. Pour les autres herbicides, je vous invite à consulter le guide de production des cultures. Vous y retrouverez tous les autres herbicides et également les produits offerts par Bayer. Alors voilà, c'était un petit survol concernant Infinity FX. Merci d'avoir pris le temps de visionner ce petit vidéo et bonne saison!